Voilà, donc on se retrouve. J'ai enfin pu terminer de tout dérocher. Ça m'a pris environ une demi-heure, ouais, une demi-heure 40 minutes. Et donc, du coup, si je reviens bien là-dessus, effectivement, on remarque ici, là, que j'ai bien identifié tous mes plans, mes séquences, mes prises. J'ai trois prises qui ne correspondent pas à la fin, qui sont les prises de Marie. Elles sont ici. Voilà, c'est des prises de la séquence 4. Je vais les garder au cas où parce que, en fait, c'est des prises que je peux éventuellement réutiliser s'il s'avère que j'ai un trou quelque part pour bah, combler. Mais voilà, mis à part ça, j'ai tout bien séquencé comme il faut. Et donc, du coup, on va pouvoir passer à la suite, à savoir le tri des séquences pour pouvoir préparer notre timeline de montage comme il faut. Alors, la première chose, ça va être en fait de basculer sur la partie cut. La partie cut va nous permettre en fait de préparer notre rose de montage convenablement. Pour ça, donc vous avez les miniatures, les vignettes qui sont ici identifiable. Ça va être très long si vous devez vérifier chaque vignette. En plus, vous savez pas les plans qui sont bons, les plans qui sont pas bons, donc ça va être très long et fastidieux de faire ça. On va donc changer l'affichage, on va basculer en liste et on va également changer un truc, c'est que ici vous avez tout un tas de métadonnées. Ces métadonnées, elles ne nous servent pas forcément toutes, par contre, il y en a qui vont nous servir beaucoup. Ça va être ici les métadonnées des descriptions que l'on a saisies, les plans, les scènes, les prises. Voilà. Et ici, en fait, ces métadonnées, vous pouvez les déplacer si vous le souhaitez. Vous pouvez les ramener au tout début. Oups. Vous pouvez les ramener au tout début. On peut également éditer directement dans les options ces métadonnées. Donc là, par exemple, ici, là, vous avez toutes les métadonnées qui sont sélectionnées. Et donc, vous pouvez potentiellement sélectionner uniquement les métadonnées qui vous intéressent. Et donc, bah, du coup, de ce fait, sélectionner les métadonnées les plus pertinentes par rapport à ce que vous souhaitez. Donc pour ça, c'est pas compliqué, vous cliquez droit et quand vous cliquez droit en fait sur la bannière en haut là, vous allez avoir toute la liste des métadonnées et vous pouvez effectivement désélectionner celles qui ne vous intéressent pas. Alors le problème c'est que par défaut, elles sont toutes cochées. Je crois qu'il est possible de créer un espace de travail un affichage différent, mais voilà, dans le doute, vous sélectionnez uniquement celles qui vous intéressent. Donc moi par exemple je vais sélectionner pour l'instant le plan, tac, la prise, hop, et la scène. Voilà. Pour retrouver en fait les éléments que j'avais initialement dans mon dérochage. Voilà, hop, donc je refais un petit tour. Voilà, caméra, vous pouvez faire énormément de choses avec beaucoup, beaucoup de métadonnées. Moi, je veux juste récupérer donc hop, le mot-clé, le plan, la prise et la scène. Et éventuellement, si j'ai mis des commentaires, voilà, les commentaires, hop, et description. Voilà. Et du coup, là, j'ai les métadonnées qui vont m'être utiles et surtout, je vais récupérer mes plans. Hop, alors je vais mettre ma scène ici. Hop, voilà ma scène, ma prise et mon plan. Voilà, je mets tout ça dans l'ordre, comme ça je vais pouvoir réaliser un tri. Et du coup, je vais pouvoir trier par scène. Voilà. Alors, attention à ce que regardez. Donc là, j'ai trié par scène. Et là, en effet, vous avez vos scènes qui sont triées. Le truc, par contre, c'est que là, j'ai scène 3. Et il est possible, en fait, que j'ai mal nommé ma scène. Vous voyez qu'il y a un espace ici. Donc, je vais enlever l'espace pour que scène 3, ça se trie également. Voilà. Donc, du coup, j'ai trié ma scène ici. Et dans ma scène, du coup, j'ai ma scène 1 et j'ai l'intégralité de mes différentes prises et de mes différents plans. Alors, je vais, voilà, inverser. Donc, j'ai tous les plans, hop, j'ai tous les plans qui sont liés en fait à ma séquence et ensuite toutes les prises. Alors, attention parce que tout n'est pas dans l'ordre. Et je vais regarder 2 minutes si je peux vous faire une section tri dans l'ordre. Sinon, bon, elles sont indiquées, mais ça vous permet déjà de réaliser votre montage de cette manière.
Alors, maintenant qu'on a donc identifié tous nos plans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer donc sur notre section, excusez-moi, hop, sur notre section cut. Et sur la section cut, en fait, on voit qu'on a tous nos rushs qui sont ici. On les a basculés en liste tout à l'heure. Le problème, c'est que ben, en fait, ça va être un peu laborieux pour les monter parce que tout est un petit peu mélangé. Donc, pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les organiser par dossier. En fait, un dossier dans un logiciel de montage, c'est ce qu'on appelle un chutier. Alors chute, parce qu'en fait, à l'époque, dans le temps, on avait un espace où on mettait toutes les chutes de pellicule, et donc on appelait ça un chutier, donc c'est resté, et donc bah, en fait, c'est tout simplement un dossier, mais du coup, ça permet de créer en fait des espaces dans lesquels vous allez mettre vos différentes séquences, vos différentes prises. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des chutiers par scène, comme ça va nous aider beaucoup à nous organiser dans notre séquence. Pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous les plans d'une même scène. Donc pour ça, je vais prendre, donc je vais bien trier par scène ici, hein, vous avez bien affiché toutes les métadonnées, donc vous affichez bien par scène. Et là, vous avez tous les plans de la scène 1. Donc vous allez faire Shift sur votre clavier et vous allez cliquer sur scène 1. Donc là, j'ai sélectionné tous les plans de la scène 1. Vous allez cliquer droit et vous allez faire créer un chutier avec les plans sélectionnés. Et donc du coup, hop, voilà, il vous crée un dossier qu'il a appelé chutier 6, qu'on va appeler en fait séquence 1, et dans lequel vous avez tous les plans, toutes les prises que vous avez faites dans la séquence 1. On va faire exactement la même chose avec la séquence 2. Donc je sélectionne tous les plans de la séquence 2, je clique droit, créer un chutier avec les plans sélectionnés. Hop, du coup il va m'appeler chutier 7, je vais l'appeler séquence 2. Et on va faire pareil avec la séquence 3, créer un chutier avec tous les plans sélectionnés. Voilà, vous savez le faire maintenant. Hop. Et donc du coup, ce chutier, il l'a appelé séquence 3. Hop. Enfin, il l'a appelé chutier 8 et je l'appelle séquence 3. Et les trois plans qui me restent, qui sont en fait la séquence 4, qui sont les plans de Marie, je vais faire créer un chutier avec les plans sélectionnés. Et ça va me faire le début de ma séquence 4 et donc des plans de coupe. Au cas où je manque de matière. Voilà, donc du coup là je me retrouve avec mes différents chutiers et avec mes différents plans, donc ce qui est plutôt pas mal. Et là maintenant en fait du coup je peux limite décaler scène, voire l'enlever, puisque je sais que je suis dans ma séquence 1 lorsque je fais mes prises. Ce qui va être important, ça va être de trier par plan, c'est-à-dire de trier mes séquences par type de plan pour que tout soit à peu près uniformisé. Alors moi, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever scène, parce que j'en ai plus besoin. Tac, voilà, et je vais trier par plan. Voilà, tout simplement. Et donc dans ma séquence 1, j'ai les plans 2. 2.1, 2.3, 2.4 et 5. Donc c'est les plans de mon storyboard qui sont celui-là. Celui-là, j'ai pas, mais en fait, il est mixé dans les plans 2.2, 2.3. Le plan 1, je ne l'ai pas. Et le plan 5, qui est en fait celui-là, qui est en deux parties, qui est en partie 1 et partie 2. Voilà, donc du coup, j'ai bien tous les plans qu'il faut ici. Ensuite, dans la séquence 2, je vais également trier mes plans. Donc j'ai le plan, alors là ici, il y a une petite erreur, j'ai marqué 22, c'est plan 2. Donc j'ai plan 1, j'ai plan 2, j'ai plan 3, hop, 4 et 5. Donc je vais aller regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc j'ai bien mon plan 1, j'ai bien mon plan 2, 3, 4 et 5. Alors, j'ai un petit problème ici, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, je vous ai mis dans le storyboard, à chaque fois qu'on cut et qu'on bascule d'une image, et ben en fait, on change de planche de storyboard. Néanmoins, il faut que vous soyez vigilant. En fait, par exemple, lorsque là, je change de valeur, donc j'ai Marie qui est en plan moyen. Donc en plan rapproché, pardon, en plan rapproché taille. J'ai Marie qui est en plan rapproché taille et ici elle bascule en gros plan ou en plan serré. En fait, il s'avère que cette valeur-là, 3,155 mm
et cette valeur-là, 3.2, eh ben, c'est le même plan. C'est le plan, la première partie 3.1 et la deuxième partie 3.2 et la troisième partie 3.3, donc qui est en fait toujours le plan 3, sauf que je bascule sur le prêtre. Et seulement là, je change de plan. Donc, il est bien important d'identifier que, en fait, là, donc là, j'ai bien mon plan 1. Je vais d'ailleurs vous les noter, comme ça, ce sera plus facile pour vous de vous repérer. Ici, j'ai bien mon plan 1, le gros plan de la poignée de la porte qui s'ouvre. Je vais vérifier que j'ai bien ce plan dans ma séquence 2. Hop. Alors, et ben voilà. J'ai bien ce plan dans ma séquence 2. Voilà, qui est ici, le gros plan de la poignée qui s'ouvre. Ensuite, le plan 2, c'est le top shot de Marie. Donc là, je vais le noter plan 2, comme ça, je ne vais pas me perdre. Tac, plan 2. Donc le plan 2, c'est bien le top shot de Marie. Donc Marie arrive en hauteur. Donc là, je vais vérifier mon plan 2. Mon plan 2, il est bien ici. J'ai bien le top shot de Marie qui passe avec le prêtre. Donc on est bon. Et du coup, le plan 3, c'est celui-là, c'est-à-dire l'arrivée de Marie qui dit « il est en Louis » et le prêtre qui dit « je sais que je ne suis pas le bienvenu ici, peut-être que cet homme ne souhaite pas se confesser avec Dieu ». Ça, c'est le plan 3, donc je vais vous le remettre ici sur chaque séquence. Le plan 3 qu'on bascule ici, hop, plan 3. Donc ici, en fait, c'est plan 3.1. D'accord, c'est marqué ici, hein, donc je ne le remets pas. Je vous mets juste en rouge que c'est bien le plan 3 pour que vous puissiez l'identifier ici. Hop. Voilà, plan 3 et plan 3 ici. Voilà, on est plutôt pas mal puisque en fait on a notre plan 3 qui possède 4 slides. Si jamais vous avez un doute, je vous invite à vous référer au découpage. Je ne vais pas revenir dessus là dans l'immédiat, mais effectivement, le découpage vous renote juste les valeurs de plan. Il ne vous note pas les coupes comme le storyboard. Donc, le découpage donne les valeurs de plan uniques. Et enfin, à la fin, donc j'ai un plan 4 avec notre cher ami Pasteur, alias Jean-Pierre, alias Pasteur, qui dit « peut-être me suis-je trompé ». On va regarder tout de suite si on a bien ces prises dans notre découpage. Je vais prendre tout de suite la dernière prise du plan 3. Je vous expliquerai en fait que dans le dérush, si jamais j'ai plusieurs prises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il y a de grandes chances pour que la dernière prise soit la bonne. Si jamais vous n'avez pas de ce qu'on appelle de feuille de script, donc les feuilles de script, c'est une feuille en fait dans laquelle vous aurez tout le détail des prises qui ont été validées ou pas pendant le tournage. Si vous n'avez pas cette précision-là, je vous invite à prendre d'abord la dernière prise parce qu'il y a fort à parier que ce sera la bonne, vu que en fait on fait des prises en tournage jusqu'à temps qu'on en ait une de bonne. Et si ce n'est pas la bonne, revenir dans les prises antécédentes, mais ne pas forcément commencer par les premières parce que souvent les premières, bah, c'est les prises ratées. Donc vous allez perdre du temps encore à dérocher. Donc là, par exemple, ici, j'ai bien donc ma prise 13. On la voit ici. J'ai bien l'arrivée de Marie qui est là. Si je m'en réfère à mon storyboard, on a bien, vous voyez, on a exactement la même valeur de plan. Ensuite, je continue à dérouler. Hop, et là, j'ai bien mon plan rapproché épaule qui est ici. On arrive sur cette seconde valeur de plan. Et enfin, le prêtre qui va se déporter, qui va se décaler en fait vers la gauche de Marie, vers la droite par rapport au cadre ici évidemment, mais vers la gauche par rapport à Marie puisqu'il est derrière Marie et que ça s'inverse. Et donc du coup, ici, hop, hop, Marie parle, le prêtre se décale, il tout saute et il dit « je sais que je ne suis pas le bienvenu ici, monsieur pasteur ». À l'évidence, cet homme ne souhaite pas entrer en paix avec Dieu. Hop, et il s'en va. Et donc, si je reviens sur mon storyboard, ici, le plan 3, j'ai bien avec Dieu. On va vérifier. À l'évidence, cet homme ne souhaite pas entrer en paix avec Dieu. Je ne sais pas si vous entendez très bien. Moi, j'entends pas très, très bien.
Mais c'est bien, bien, bien identifiable. C'est bien cette séquence-là dont il s'agit. Merveilleux. Donc du coup, on a bien cette séquence-là. Et après, on a un dernier plan. En fait, il nous reste, pardon, deux derniers plans dans cette séquence, qui sont les plans 4 et les plans 5. Le plan 4, à savoir Jean-Pierre qui est sur son lit. Allons-y, on va regarder. Hop, voilà, donc j'ai bien le plan 4 qui est la bonne valeur. Et je vais vérifier, est-ce que j'ai bien le plan 5? J'ai bien le plan 5 avec le lit qui est ici. Voilà. Et donc j'ai exactement la même valeur de plan avec Marie qui est un petit peu déportée, puisque lorsqu'on a fait le storyboard photo, on n'avait pas forcément tous les comédiens au même moment. Donc là, Marie qui est bien dans le cadre, donc on est bon, on est bien sur le plan 5. Et ainsi de suite, donc je vérifie plan par plan, plan 1, 2.1, 2.2, je vérifie plan par plan que j'ai bien les bons éléments. Et une fois que tout ça s'est identifié, j'aurai juste qu'à préparer mes séquences. Donc à intercaler les plans, et ça va être du coup sur la prochaine partie de la vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Vous voyez que c'est pas très compliqué, ça se fait bien, ça se fait vite. Ce qu'il faut, c'est par contre être très méthodique. Ça, c'est vraiment le propre du montage. Si vous n'êtes pas méthodique, vous risquez de vous perdre, et vous risquez de perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup d'images. Donc, les étapes, c'est celle-ci. Maintenant que j'ai pu identifier sur toutes les différentes prises, et ça vous allez le faire, que vous avez bien tous vos plans, après, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Juste avant de terminer cette partie de la vidéo, je vais essayer de vous trouver un extrait où je n'ai pas toutes les prises. Donc, on va faire la séquence 3 ensemble, hein, tant qu'à faire de toute façon. Plan 1, plan 2.1, plan 2.2. Donc, plan 1. On va regarder ensemble sur la séquence 3 qu'est-ce que le plan 1. Hop. Alors oui, hein, forcément, on va prendre plutôt les dernières prises. Hein. Voilà. Donc là, on est bien sur le plan ici, donc on a bien tout. Ensuite, on va basculer sur le plan 2. Hop. Alors, plan 1 bis, je regarde ce que. Oui, le plan 1 bis, c'est Marie qui se retrouve à la porte. Ça, on ne l'a pas fait dans le storyboard, mais comme Marie s'en va, il était important qu'on ait un plan supplémentaire. Donc, on a mis un plan en plus. Voilà, et donc on va basculer au plan 2. Voilà, le plan 2, en fait, c'est Marie qui va au bureau, qui écrit, hop, et qui quitte le plan. D'ailleurs, au passage, voilà. Qui quitte le plan. D'ailleurs, au passage, on a un cadreur qui se trouve juste ici. Voilà, si vous ne l'aviez pas vu, on fait aussi émission faux raccord. Donc, plan 2, Marie qui quitte le plan. Tac. Ici. Plan 2, 2.1, 2.2, 2.3. Donc, j'ai tout le plan 2 qui est ici. Le plan 3, c'est celui-là. C'est Marie qui pose le document de démission sur le chevet sur le lit de Pasteur. Plan 3, donc il y a un système de panneaux, là on est sur le même plan, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Voilà. Et ben vous voyez quoi? Ce plan-là, et ben regardez bien, on va aller sur le plan 3, on va prendre les dernières images. Et là, regardez. Hop, plan 3. 3.1, c'est bien celui-là. 3.2, c'est bien celui-là. 3.3, c'est celui-là. 3.4, on revient sur Pasteur. 3.4. Et ça se termine ici. Tout simplement, on va regarder le plan 4. Le plan 4 qui est. Alors, excusez-moi. Le plan 4 qui est le plan du prêtre. Voilà. On a bien donc le plan du prêtre qui est ici. Attendez, pour vous, ce sera Docteur Pasteur. Plan 4 ici. Le plan 5, il n'a pas été fait.
Donc ça, je vais vous le barrer tout de suite. Tuk, tuk, tuk. Hop, voilà. Tac. Je sais pas si... Voilà. Donc le plan 5, je vous le barre parce que celui-là, il n'a pas été fait. Tac. Voilà. Et du coup, on arrive directement au plan 6. Et alors regardez bien, là donc on arrive directement au plan 6 qui est un gros plan de notre cher prêtre. Le plan 6, on l'a bien ici, d'accord? Plan 6 qui est celui-là. Alors, hop, voilà donc le plan 6 qui est là. Et ensuite on a le plan 7, je n'écouterai vos mots que dans l'intimité du Seigneur. Alors, le plan 7, on ne l'a pas. Il nous manque le plan 7 et il nous manque le plan... Bah c'est tout en fait. Puisque ceci est le plan 3.4. Donc ceci est bien le plan qui est ici. On le retrouve un peu plus bas dans le scénario. Donc on a bien le plan 3.4. Ceci est le plan numéro 1. Donc à la fin, on revient sur le plan numéro 1. Et le plan numéro 7, je n'écouterai vos mots. Eh bien, a priori, il n'y est pas. Mais si on regarde bien, en fait, il s'agit du plan 4. Ou du plan... Ou du plan... Je vous dis une bêtise, on l'a peut-être pas celui-là. Si celui-là, vous ne l'avez pas, ce n'est pas très grave. Vous pouvez ne pas le mettre. De toute façon, on arrête la séquence ici. Voilà. Et donc, on a bien tous nos plans qui sont ici. Voilà. Alors, je regarde un petit peu. Voilà. Ah oui, non, ben on l'a ici. C'est le plan, en fait, c'est le plan numéro 1. Voilà. C'est le plan numéro 1, en fait, qu'on a réutilisé. Donc en définitive, on a bien tous les plans. Donc le plan 7 en fait n'existe pas. C'est le plan numéro 1. Je vais vous l'écrire. Plan numéro 1. Voilà. Et donc du coup, on arrive sensiblement à avoir identifié tous nos plans dans le storyboard. Vous pouvez du coup enregistrer le storyboard à partir de maintenant. Et maintenant là, vous allez pouvoir travailler sur votre montage, sur votre bout à bout. Et ça va consister en quoi? Ça va consister à prendre chacune des séquences en partant par la dernière parce que ce sera plus simple pour vous. Et chacune des séquences est à construire le montage comme ça. Voilà, donc par exemple, ici, je vais commencer par le plan numéro 2. Et je vais commencer à réaliser mon montage sur cette base-là avec mes éléments de bout à bout. Alors, vous avez deux possibilités pour faire votre montage par séquence. Vous pouvez basculer dans Cut ou vous pouvez basculer dans Montage. Voilà, si vous basculez dans montage, en fait, vous allez pouvoir travailler directement dans une timeline. Si vous basculez dans ici dans Cut, vous allez plutôt travailler par ours de montage, c'est-à-dire en fait, vous allez travailler prise après prise pour les mettre dans l'ordre et juste vous concentrer sur les images. Voilà. Et du coup, je vous invite vraiment à d'abord peaufiner la partie séquence. Et une fois que vous avez tout, après, je vais vous refaire un topo sur la partie montage.